Soyez les bienvenus sur le terrain de l'émission qui met notre humeur au beau fixe. Au lieu de 90 minutes, nous aurons 52 minutes de jeu et d'informations à partager avec vous. Alors, ne zappez pas, parce que c'est midi, c'est maintenant. Je passe par ici. Spécial parce que nous recevrons dans quelques instants un invité spécial. Mais avant, permettez-moi de vous présenter l'équipe du jour, la meilleure équipe de la sélection. Elle n'est pas du tout sur le banc des touches, elle est là pour votre plaisir. Nous allons remporter la victoire à la fin de cette émission, n'est-ce pas? Jean-Michel Ounin ne dira pas le contraire. Bonjour Caro. Caro, avec bien sûr ta permission, je voudrais envoyer un vœu d'heureux anniversaire à l'un de mes mentors, Yves Dembella, qui fête aujourd'hui 50 piges. Le Capricorne. Voilà, il vieillit bien. Et salut avec reconnaissance aussi. Très fort. Tout à fait. Et on lui souhaite une longue vie encore, bien remplie. Et salut avec reconnaissance mon ami Apolliman de la marque Ma chemise sur mesure. Afin de... Ça finit pas. Ça finit pas. J'ai failli lui donner un carton jaune. On est passé à côté. Carton jaune ou pas? Non. On est d'accord pour Yves Dembella, mais le reste là, ça pourrait venir après, Frangin. C'est pour lui souhaiter une bonne année. Bon d'accord, bonne année. Bonne année aussi. Hein. À son nom, du côté de Cachola. Alors, oui. Alissar Zena. Oui. Toute resplendissante. Hein. Ça va? Vous êtes encore avec nous aujourd'hui. On souhaite un prompt rétablissement à Marie-Paul Adjei. On est sûr que très très bientôt elle sera avec nous. Même pour l'heure, on a la chance d'avoir notre Alissar Zena. Oui, pour l'heure, excusez-moi. À Cuba. Pour l'heure, ça sera les braises. Eh hey, non. Dès que je passe dans la rue, les gens font hey, à Cuba, ça va pas dans la rue. Hey, attention, ça, ça s'arrête à la télé. Hein. Donc aujourd'hui, l'invité va passer à la casserole, c'est-à-dire que je vais bien faire son affairage rapidement. Propre. Comme oui, d'habitude. Comme d'habitude. Justement, vous êtes là à la télévision ivoirienne ça. Pour être payé. Vous êtes payé pour faire les affairages. Exactement. La vie privée des gens, c'est votre truc, n'est-ce pas? J'aurais pas dit mieux. Merci. Merci beaucoup. Alors, docteur Philo. Vous allez bien? Ça va super bien. Je suis en train de chercher quelqu'un, je me balade parce qu'aujourd'hui, j'ai un carton jaune, j'ai un carton rouge. Ouais. Je ne sais pas à qui je vais remettre le carton. Mais bon, Philo. Moi, je préfère le carton rouge. J'adore la couleur rouge. Alors, ça fait plaisir d'être là, Caro. Et puis, je voudrais envoyer... La couleur orange, c'est un mélange de jaune et de rouge. Je voulais juste vous faire remarquer. D'accord. C'est une couleur. Ça peut vous aller, les deux cartons. Ça fait plaisir d'être là. Et Caro, bon, je suis très, très heureux de participer à cette première émission de l'an 2020. Alors, c'est une grâce pour nous. Et puis, dire que... La première émission de l'an 2020. Première émission spéciale, au fait. Où est-ce que vous avez... Première émission spéciale, oui. C'est la première... Quelle planète non, spéciale. Et c'est ça, et en même temps, c'est l'émotion. On s'est dit qu'on fait notre petit bonhomme de chemin. Et sait-on, peut-être qu'un jour, on sera aussi reçus comme des invités spéciaux exactement, dans ce studio. Exactement. Avec des cannes et autres. Puis on rentre. Et puis les quatre en sont nos invités surprises. En tout cas, ça fait plaisir d'être là. Voilà. Merci beaucoup, docteur Philo. Et oui, vous savez, c'est la vie, on grandit, on réalise certains projets et malheureusement, un jour ou l'autre, on est obligé de partir. Nous avons quelqu'un qui nous a quittés, il est auteur-compositeur, j'ai envie de dire, il était auteur-compositeur, guitariste et chanteur qui naviguait entre le reggae et l'afro-soul. Abou Smith a tiré donc sa révérence hier, 2 janvier, à Marseille.
Est-ce qu'on peut avoir... voilà. Et voilà, Abou Smith nous a quittés. C'était la note triste de cette émission, mais je vous assure que ça sera la seule de toute cette émission. Et on espère que ce soit la seule de tout le mois de janvier, parce que franchement, on aimerait avoir avec nous toutes les personnes que nous aimons. Alors, et si nous essayons de changer d'ambiance, que le public essaie de se saluer lui-même, de se congratuler, on ne sait jamais. Voilà. Et la transition est toute trouvée pour recevoir notre invité spécial du jour. Eh bien, c'est avec beaucoup de nostalgie et d'allégresse que nous le recevons. C'est l'une des plus grosses stars du football ivoirien. Il a été d'ailleurs le premier ivoirien à se faire un nom à Marseille. À son tableau d'affichage marque 25 ans de carrière. Merci de recevoir de façon triomphale Ibrahima Bakayoko, l'enfant de Séguéla. Bienvenue, vous allez bien? On est content. On est heureux de vous recevoir, Ibrahima Bakayoko. Alors, les tatas derrière, vous le reconnaissez? Vous le reconnaissez, non? D'accord. Vous l'avez déjà vu à la télévision? Vous en avez déjà entendu parler dans les reportages? N'est-ce pas? Bon, d'accord. Installez-vous, s'il vous plaît. Ibrahima Bakayoko, bienvenue. Merci de vous installer. Merci beaucoup. On l'applaudit encore très fort avant de se rasseoir. Eh bien, Ibrahima Bakayoko a brillé en sélection ivoirienne dans l'équipe nationale, on va dire, de 1996 à 2014-2015, j'ai arrêté ma carrière. 2014-2015 que vous avez arrêté votre carrière. Oui, ma carrière. Et ce qu'on sait, ce qu'on a comme information, c'est que vous avez quitté brutalement la sélection ivoirienne. Et les Ivoiriens aimeraient bien savoir la raison, parce que très rarement vous êtes prononcé là-dessus. Oui, c'est vrai. Bon, déjà, à quoi bas? Merci. Je vous attaque, là. Ouais, ça fait bizarre parce qu'on a l'habitude d'être sur le plateau pour le football. C'est cela. Et là, je suis invité, je suis honoré. Ça me va droit au cœur. Et nous sommes heureux. Nous, on se sent vraiment privilégiés de vous avoir sur ce plateau. Parce qu'il y a, de nombreuses années, je ne sais plus combien d'années encore, on était très jeunes, on vous voyait à la télévision. Mais on ne savait même pas qu'on serait un jour ici, en train de vous recevoir. Et voilà, ça c'est fait. Je pense qu'il faut préparer le futur. C'est ça. Et là, on est dans le passé du futur, si je me trompe. On a sauté le présent. Non, je veux dire, on prépare sa carrière et puis on devient footballeur et puis on se dit... À la fin de sa carrière, on parlera de tout ce que tu as fait pour pouvoir apporter un plus à la génération future. C'est cela. Voilà, donc les devanciers m'ont inspiré. Je pense que Dieu m'a donné la force de pouvoir exercer mon travail en Europe. D'accord. Pour pouvoir inspirer les générations actuelles qui sont là et ceux du futur. D'accord. Voilà. Alors, je n'ai pas oublié ma première question. Hein. Je sais que vous êtes, vous avez beaucoup de tact, c'est normal, vous êtes footballeur. N'est pas footballeur qui veut. C'est vrai qu'on joue avec les pieds, mais c'est beaucoup d'intelligence. Ouais. Mais là, moi, je suis vigilante parce que le football, c'est comme l'animation. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tout le talent possible, mais si vous n'êtes pas intelligent, vous ne pouvez pas être un bon animateur. Donc là, je reviens à ma question, Monsieur Bakayoko. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez brutalement quitté l'équipe ivoirienne? On est directement dans le vif du sujet, mais je pense que c'est une déception déjà. Ah, ça a été. Ça, il faut le dire parce que mes performances en équipe nationale étaient tellement réelles que
Quand je suis parti, c'était avec beaucoup de déceptions. Mm-hmm. Mais par contre, ma force... La déception liée à quoi? Au fait que si j'étais moins, si j'étais pas performant en équipe nationale, je serais déçu de cela. Mm-hmm. Mais moi, je retiens une chose. Quand on aime son pays et qu'on n'est plus là pour exercer, défendre les couleurs de la nation, il faut respecter ceux qui sont là. J'ai été très silencieux et grand supporter de ma nation. Et donc, pour moi, c'est ce que je retiens. Même vous, si avez, c'est... vous avez été poussé vers la sortie, c'est ce que vous nous dites? Quoi que vous vouliez à l'époque... Je peux le dire. D'accord. Je peux le dire, mais c'est dommage. Parce que vous imaginez que quand j'ai signé à Everton, c'était l'un des plus gros transferts à l'époque. Le plus gros contrat. Et je, voilà, très très gros contrat. Et il me reprochait le fait que je venais tout le temps en sélection. Mm-hmm. Vous voyez des clubs qui investissent des milliards sur un joueur et c'était une pression qu'il faut choisir entre la nation et puis gagner sa vie. Et moi, j'ai toujours choisi ma nation. Mm-hmm. Et quand je vois des dirigeants qui se permettent de prendre des décisions alors qu'on a la chance, on est jeune, on a la possibilité de défendre, mais je n'ai pas de regrets. Malgré mon absence, je reste quand même le deuxième meilleur buteur de tout le temps de l'équipe nationale. Ouais. Bravo. Il faut dire qu'il était donc le capitaine des éléphants. Il a fait une bonne partie de sa carrière à l'Olympique de Marseille où il a laissé un souvenir, je dirais, plus ou moins mitigé. Et vous avez sauvé deux fois cette équipe de la relégation en Ligue 2. Je pense que ça, Marseille ne l'oubliera jamais. Et j'oublie pas, ben, quand on parle de statistiques et de temps de jeu, je pense qu'avec moins de temps, j'ai quand même marqué autant de buts quand même. Parce qu'on peut te faire rentrer à une minute de la fin et tu marques le but et on comptabilise comme si tu as joué 90 minutes. Alors qu'à Marseille, mes statistiques sont de telles que quand on y a le temps qu'on le me donnait, il y avait souvent des dirigeants, comme les dirigeants se changeaient, on disait que c'est le plus gros salaire du club. Uh-huh. Et donc, on va lui proposer un autre club ailleurs et comme ça, on va économiser son salaire. Pas sur les performances, et finalement, c'est moi qui terminais meilleur buteur du club, avec moins de temps. Parce qu'il y avait plusieurs personnes qui voulaient installer d'autres joueurs. Et il fallait se battre. Et moi, je voulais rester parce que je pense que Marseille, c'était une vitrine pour des générations futures, de telle sorte que médiatiquement, on parlait plus de Marseille. Et j'ai refusé de grosses offres dans d'autres clubs pour pouvoir rester à Marseille pour... Quand on parle de la Côte d'Ivoire... Et parlant d'offres, on y reviendra certainement. Mais avant, il y a une rubrique ici qui nous plonge directement dans votre passé. Puisque vous avez dit, vous l'avez affirmé, on est dans le passé et le futur. On va donc regarder dans le rétroviseur avec bien sûr la collaboration de la régie. Ibrahima Bakayoko, eh bien, ce grand monsieur que vous voyez a été aussi bébé. Mais... C'est une information capitale, non? Ça change la vie, cette information. Ouais. Mais comment vous avez eu ça? Non. C'est la question qu'il ne faut pas poser sur ce plateau. Ouais, ça, c'est... Ouais. Ça me rappelle une anecdote. Mon grand frère qui est là, le grand frère Kassim, d'accord, qui est à côté de... Et mon grand frère Ismaël, vous voyez celui qui est en dessous là, Kassim, qui est arrêté là. Oui. Et un jour, ils ont dit à Kassim, « Ah oui, j'ai vu ton grand frère Bakayoko Ibrahim quelque part. » Il dit, « Mais c'est mon petit frère. » Et il s'est disputé avec le monsieur. J'ai dit, « Grand frère, tu peux pas. » Les gens, voilà, tu peux pas changer leur manière de penser. C'est clair. Voilà, sinon c'est moi qui suis en bas. Et cette photo, c'était à quelle occasion? Je suis sûr que vous l'avez revue quand vous avez grandi. Là, vous étiez très petit. Photo de famille. C'est une photo de famille. Voilà, et c'est après que, quand on grandit, qu'on découvre ça. Généralement, c'était pendant les périodes de fête qu'on faisait les photos de famille. Bon, nous, on n'a pas le temps de savoir quand on est vivé comme ça. Mais c'est après qu'on nous montre. Après, on vous dit ça, c'était le 1er janvier, certainement. Ouais. Mais... et... après avoir mangé, vous avez bu un peu de sucrerie et puis tape la photo. Je joue toujours avec mes amis pour savoir où je suis, personne ne trouve. Voilà. Personne ne trouve, mais on dit, ah, c'est lui qui est en haut là, c'est lui qui est là. Il dit, il n'y a même pas en bas. Uh-huh. Et voilà. Vous avez quand même une véritable équipe de foot à la maison, hein? Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Alors, Ibrahima Bakayoko, sur ce plateau, il y a un monsieur qui s'appelle Dr Philo. Lui, son rôle, c'est de titiller tout le monde. C'est ce que je craignais. C'est vraiment le haut niveau, quoi. Info ou intox? Il y a des questions, vous répondez quand c'est vrai, vous dites info. D'accord. Quand c'est faux, vous dites intox. C'est parti, Docteur Simon, on vous retrouve.
Info ou Intox de l'invité avec Dr Philo. Merci beaucoup, monsieur Bakayoko Ibrahim. Info ou Intox démarre maintenant. Alors, selon des informations de sources non concordantes, alors, vous êtes... alors vous êtes très casanier. Toujours à la maison, ni maquis, ni bas, surtout très pieux. Avec vous, c'est l'islam ou rien. À telle enseigne que vous avez même la photo de Dieu accrochée dans votre salon. Info ou Intox? Pardon, pardon. Mais j'aurais dit vrai, mais quand tu dis j'ai la photo de Dieu dans ma maison, je suis mitigé. D'accord. Voilà. Info ou Intox? Bon, c'est difficile à dire info ou Intox parce que dit j'ai mis la bon, photo c'est de photo de Dieu. Bon, c'est pas photo de Dieu. Bon, c'est que je suis. C'est qu'elle ça parle de hein. Dieu. On retire cette partie-là. Vous êtes très casanier, pieux, ni bas, ni maquis. Bon, je dirais que je vais souvent quand les amis de l'équipe vont là-bas, mais je ne consomme pas l'alcool. Ah. Okay. Je pense que c'est... Voilà, on dirait oui. Je comprends maintenant, parce que j'ai failli vous demander, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes resté jeune, ne consommez pas l'alcool? Je ne consomme pas l'alcool. Ouais. Quand on voit nos footballeurs de maintenant, même après une défaite, c'est les maquis et les bars. Deuxième info, Intox. Alors, Bakayoko aurait été combattu à l'époque par ses propres coéquipiers, certainement à Marseille. Alors, de peur de leur voler la vedette. Oh, c'était mal connaître l'enfant venu du Ouro-Dougou qui s'est imposé à tout prix. Info ou Intox? Vos propres coéquipiers vous combattent. C'est vraiment des questions. Vraiment, je dirais oui, c'est vrai. Info. C'est vrai. Info, hein, vous les avez. Info. Ils vous ont combattu, vos propres coéquipiers. Ça peut arriver. Parce que non, j'ai du mal à suivre le groupe pour sortir après les entraînements parce que j'aime pas aller parler des autres. Ça, franchement, je préfère être à la maison. Et quand c'est vraiment une sortie utile, là, je sors. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'ils m'ont combattu. Mais ils me reprochaient le fait de ne pas venir tout le temps pour sortir. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Troisième info Intox. Bakayoko, devenu plus tard Baka. Oui, c'est un surnom. Pour les intimes. Oui, voilà. Je confirme. Alors, était-il le fait que votre Baka était sans sucre parce que vous ratiez beaucoup de buts ou bien Baka sucré parce que vous étiez très brillant? Baka sucré ou non sucré? Mais là, ça fait deux questions, je ne sais pas comment je vais répondre. On vous appelait Baka parce que vous ratiez les buts? Pas forcément. Ouais. C'est un surnom marseillais. Et puis je pense que Marseille, c'est un club où je retourne la tête haute, avec beaucoup de fierté. Et là où j'ai pris Marseille, avant de partir, je voulais qu'il le laisse en Ligue des Champions. Je suis parti la tête haute. Et là où Marseille voulait que je ressigne encore pour prolonger, j'ai dit non, c'est moi qui décide mon destin. Je pars. Voilà. D'accord. Dernière info, Intox. Là, c'est un doyen au quartier. Le matin, là, je lui ai dit, on recevait Bakayoko. Il dit, si il ne pose pas la question, ça, là, c'est pas bon. À un moment donné, à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, quand vous êtes arrivé, vous êtes imposé. Quand vous êtes arrivé net, on ne vous a même pas dit qui va être capitaine. Vous dites, vous voulez être capitaine d'un prix. Vous avez pris le brassard, vous l'avez porté. Info, Intox. Mais vous donnez la chance d'éclaircir les choses. Vous savez, il y a un des anciens de l'équipe nationale qui s'appelle Badr Aliou, avec Kone Ibrahim. Après chaque repas, il me convoquait. Il dit, bon, Ibrahim, est-ce que tu es prêt pour marquer les buts? Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que moi, j'ai commandé le ciment, j'ai commandé les briques, parce que les primes de match, c'est important. Et qu'en plus de cela, nous te donnons le brassard, parce que partout où on part, on ne parle que de toi. Nous, ici, on joue, non seulement pour la nation, mais pour gagner l'argent, pour construire des immeubles. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que Badra n'a besoin de personne pour vivre. Elle était en avance sur sa génération aussi. Voilà. Donc le brassard est venu comme ça. Merci beaucoup, Dr Philo. C'est donc la fin d'Info ou Intox. Nous allons vous inviter à présent à vous délecter de quelques extraits des anciens matchs de notre invité spécial du jour. C'est parti pour la compile.
Julien Verratti, un pénalty contre Sedan. Cette fois c'est Bakayoko et ça passe. York, oui, bien pris par Fischer, obligé de revenir derrière. Très agressif, Berg. Fischer. Ouais, allez, vas-y. Ah, ça, c'est le cas. Ne la manque pas, bonhomme. Oh, et but. Elle est dedans. Bakayoko. Bravo, mon bonhomme. C'est bien fait. Voilà une belle intersection payante. Il hésite, Ibrahima. Et finalement, du pied gauche, regardez. Elle rebondit sous la transversale. Et va directement dans la lucarne de Raymond van der Goog. Wow! On est au stade! Wow! Ibrahima Bakayoko. Franchement, moi, mon commentaire, c'est-à-dire quand je regarde cette vidéo, j'ai l'impression que vous marquez plus facilement dans les situations compliquées. C'est pas faux, parce que vous voyez que tous les buts que je marque, moins de ballons m'ont été donnés. C'est cela. Il faut sentir, il faut, comme j'ai dit, hein, si moi j'étais président. Hein, l'instinct du buteur. L'instinct du buteur et puis rester concentré sur soi-même. Vous voyez que si j'étais président de club ici, si je dois prendre un Européen pour l'envoyer, il faut qu'il soit 10 000 fois plus fort que celui qui est en Côte d'Ivoire. Mm. Donc quand on tombe pas là-bas, on est dans la conscience qu'on doit être très performant, on doit être un génie quand il faut et quand. L'intelligence est épuisée, on fait appel à Dieu pour que tout se réalise. Est-ce que vous pouvez partager avec nous le sentiment, l'émotion qui vous animait lorsque vous voyez cette vidéo? Non, ce que je retiens, c'est même pas à Marseille, c'est à Montpellier. Au cours d'un match où il y avait 0-0 à la mi-temps, et puis l'entraîneur n'était pas content et tout. Et moi aussi, je n'étais pas content. Et quand on parle dans les vestiaires, il faut agir sur le terrain. Et ce jour-là, en deuxième mi-temps, j'avais marqué, je crois, 3 buts en 5 minutes. Et chaque fois que je marquais, j'allais au point de corner pour prier parce que se faire respecter, c'est poser des actes. Et donc, ça a été positif. La reconnaissance vient après en allant prier au point de corner. Voilà. Et donc, jusqu'à présent, le record n'est pas encore battu. Voilà. J'espère qu'un Ivoirien va battre ce record-là. On l'espère bien. Et voilà, toutes ces prouesses sont connues aujourd'hui sur le plateau de ces midi. Et vous vous dites certainement, ah bien sûr, on sait tout désormais de la vie d'Ibrahima Bakayoko. Eh bien, vous vous trompez littéralement. Je vais vous inviter, je vais appeler quelqu'un ici avec qui nous allons ensemble explorer de fond en comble la vie de notre invité. C'est parti. Jean-Michel Onna, la bio décalée de l'invité. Ouais, je te jure. Alors. Bon, je vais m'asseoir. Ah non, tu peux rester. Non, ça va. Je te préfère juste à côté. Non, allez-y. Allez-y. Ah, franchement? Non, allez-y. Oula, d'accord, ok. On se prend pas la tête dans cette émission, vous merci, savez bien. Merci pour l'honneur. Ibrahima Bakayoko, bonjour. Bonjour. Alors, l'univers du foot est spectacle, chiffres, statistiques et grandes dates. En ce qui vous concerne, le 31 décembre 1976 est celle de votre entrée dans le stade de la vie. Côté palmarès familial, votre père, lui, a eu, disons, une vingtaine d'enfants. Oui. C'est dans la ville de vos origines que vous avez, dans les livres, appris à lire, calculer, raisonner au sein des classes primaires de l'école et jusqu'en troisième au collège moderne de Séguéla. Votre école s'appelait l'école Plateau ? L'école Plateau, oui, primaire. Tout à fait, ok, voilà, ça marche. À la maison, le foot était une passion générale pour tous les garçons. Mais vous serez le seul à afficher clairement des ambitions professionnelles. Avec le soutien d'un de vos aînés, Bakayoko Kapi, vous lancez votre carrière en 1991 avec quelques mois de saison au Yanni Sport de Séguéla.
Ouais. Ensuite, une autre saison étincelante, l'Union... L'Alliance de Boaké, voilà, qui vous révélera au public ivoirien. Oui. Très vite, tous les grands clubs de la capitale vous font la cour. Et c'est finalement l'offre du stade d'Abidjan qui vous séduira. C'est l'amorce d'une aventure footballistique avec grand A qui vous emmènera d'Abidjan à tous les ailleurs. Mais alors, grâce à quelles influences, quels moyens, quelles qualités dans la biodécalée? Il n'y a pas de hasard. On va regarder votre nom et votre prénom et découvrir ce qu'il en découle. Ibrahima Bakayoko. Il en ressort les termes suivants. Ba. Ça dépend de la prononciation. Parfois, en Dula, prononcer d'une certaine façon, ça peut vouloir dire maman. Je préfère dire Koyaga, hein, au lieu de Dula. D'accord, ok. Il y a aussi Barka, qui signifie force physique. Oui, d'accord. Voilà, et puis importance. Ouais. Il y a aussi Koyi, qui en Dula, ça signifie c'est sûr. D'accord. Et puis Ami, d'où vient le terme Amina, qui signifie okay. Désir ouais. ou rêve. Vous êtes d'accord? Vous validez? Oui. Ok, super, d'accord. Super. Alors, bah, pour commencer. Bah, papa. Âgé de 85 ans aujourd'hui, votre papa était à l'époque un agent des travaux publics. Oui. Capitaine de l'ASTP. Oui. Excellent footballeur, champion du Grand Nord, on le surnommait Capi. Oui. Son exemple, son sens de la gagne ont clairement déteint sur vous. Mm-hmm. Par la suite, vous passerez sous l'ombre d'autres pères, parce que le succès a plusieurs pères. Celui du pharmacien Dr Diomandé, qui a été oui. votre parrain, oui. et le président de Montpellier, club français qui vous a accueilli en 1995, oui. après une flamboyante saison et 12 buts scorés au stade d'Abidjan. Oui. Si dans la vie il nous faut de bons pères, le football, lui, exige de bonnes pères. De bonnes pères. Voilà. Alors Ibrahima Bakayoko, vous n'en avez pas manqué. Ouais. Et avec, vous avez signé plusieurs buts en sélection nationale. Faisant de vous, vous l'avez signalé il y a quelques minutes, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des éléphants. Alors, avec votre supervision, 30 buts à Montpellier, oui. 34 à Marseille, un club dont vous avez marqué l'histoire oui. et que vous avez sauvé deux fois de la relégation, 33 buts à Giannina, c'était dans oui. le club grec, oui. En Grèce. Pas au aussi. Oui, effectivement. Et vous avez été meilleur buteur et vice-champion de ce club en 2011. Oui, c'est ça. Oui. Ok. De 1995 à 2015, vous êtes passé par 12 clubs, dont Everton, qui a été votre plus gros contrat, oui. Osasuna et bien d'autres. Je serai d'être court. 20 ans de carrière internationale au total, qui vous ont conduit dans les plus grands championnats européens, Angleterre, France, Italie, Espagne, Grèce. Alors, Ibrahima Bakayoko, ce qui vous a permis de marquer les esprits, de laisser des traces de crampons dans toutes ces ligues, c'est votre Barka. Alors, on dit en Bambara aussi, mmh. Barkabala, c'est-à-dire mmh. il est Barkabala, il est costaud, c'est bien ça. Moi, c'est bénédiction. D'accord, ouais. oui, il y a la Baraka, ah, y a, oui. on dit aussi Barika, uh-huh. Barka. Ah, Barka, oui, voilà. Quand tu finis de manger. Ouais. Et puis, on finit de manger, là, on dit Barka. C'est-à-dire qu'il est tellement fort en malinqué oui. qu'il laisse le malinqué de chez nous pour aller jusqu'au Mali. Ça le fatigue. Non, merci beaucoup, Caro. Alors, donc, c'est, voilà, on parle de votre Barka, donc oui. votre puissance physique d'attaquant, ce oui. gros caractère combatif, oui. ce harcèlement des défenses. Pour vous, la question n'est pas de faire du spectacle, mais plutôt d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire être décisif oui. et surtout flanquer des buts. C'est dans ainsi but. Qu'en bonne passe ou demi-teinte, vous avez construit votre propre légende. Autre atout clé pour vous, Ibrahima Bakayoko, sur les pelouses comme dans la vie, c'est votre détermination et assurance. Koyi, okay. c'est le terme, policier sûr. Mmh. Pardonnez-moi l'accent, on dit... Ibenania Koyi. Mmh. Ouais, ça veut dire... Tu seras bien, c'est sûr. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il dit, hein, Koyaga, c'est mieux. Alors, dans les Saintes Écritures, il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mmh. Et dans le business, on dit, celui qui se lance dans une affaire sans assurance a déjà échoué. Alors, vous êtes un jusqu'au boutiste, un go-getter, au parler américain, un fonceur que rien n'arrête. Quand vous voulez quelque chose, vous allez jusqu'au bout et vous l'obtenez. Impressionné par la qualité de training que vous avez reçu à l'époque au centre de formation de Montpellier, vous avez sorti de terre, c'était en 2009, je pense. Oui. 2009, vous avez sorti de terre une école sport-études, oui. oui. inspirée de ce modèle. Oui. Alors, disons, c'est une bien jolie contribution au développement du foot en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, légende, reconverti en homme d'affaires, vous aidez des vagues de jeunes à réaliser leurs rêves. En Dula, on dit ami. Alors, je vais prendre une petite phrase hein, pour illustrer ce que je dis. Quand on dit par exemple Abé ami, Sinamousso, n'en fait, ça veut dire. Elle... Pardonnez, applaudissez-vous, monsieur.
C'est un mousseau d'enfer. Elle désire une co-épouse. Voilà, tant que ça nous ramène du rire. Alors, car oui, parce que réussir, c'est bien plus que réaliser ses propres rêves, c'est aussi aider les autres à réaliser leurs rêves. Oui. Et c'est bien en faisant cela qu'on réussit vraiment et finalement. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à toutes ces personnalités, ces entreprises qui font fortune en Côte d'Ivoire. Nous, en tant que jeunes, nous ne vous demandons pas de distribuer de l'argent, mais surtout de créer des plateformes, des espaces d'opportunité pour permettre aux jeunes de réaliser leurs désirs, leur potentiel, d'aider leur famille et par ricochet de participer à l'émergence de ce pays. Ceci dit, Ibrahima Bakayoko, heureusement qu'on est en 2020. pour toutes ces émotions offertes à la Côte d'Ivoire, à la planète foot et ces chances aussi données aux petits frères, aux jeunes d'aujourd'hui, merci infiniment. Dieu vous bénisse richement. Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel Omar. Ibrahima Bakayoko. Oui. Un bénin de la Canfort. Comment faut-il? Koyaga. Oui. Un yafort. Un folé, oui. Un yafort, ok. Oui. Ngo. Il est ta publicité, Loa. En plus de l'honneur. Et oui, c'est l'avantage d'avoir fait quand même le tour de la Côte d'Ivoire, d'avoir tourné un peu avec papa. Ouais. Voilà. Mi-wed donc, là. Nous, pardon. Publicité mi-wed là. Yeah, publicité mi-wed là. Je vous explique. Je lui demande dans sa langue, est-ce qu'il connaît la publicité? Il m'a dit oui, la publicité qui donne de l'argent. Voilà. Nous allons partir pour la pub qui donne de l'argent. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau d'Ossé Midi avec notre invité spécial, on va dire l'enfant d'Ossé Guéla. Le deuxième meilleur buteur de la sélection ivoirienne est avec nous sur ce plateau. On l'appelle aussi le Globetrotter. Il a vraiment tourné France, Espagne, Grèce. C'était pas par hasard. Hein. C'est pas par hasard. C'était, je voulais ça. Ah, pour avoir plus d'expérience, pour apporter à la jeunesse ici. Je veux dire, ce transfert-là n'était pas... Non, c'était... Je voulais... Côté pécuniaire, c'était pas l'argent. Non, il y avait les deux choix. Il y avait les deux choix de connaître l'espérance de chaque pays. Uh-huh. L'Espagne a sa manière de préparer ses joueurs. L'Angleterre est différente. Donc, je voulais tout connaître quand même. Voilà. D'accord. Donc, j'ai l'expérience aujourd'hui pour apporter aux jeunes gens ici. C'est pour ça que je suis là. Vous n'êtes pas en train de nous dire que vous aspirez à être le président de la FIFA, non? Non. Non, je préfère. Sait-on jamais. D'abord, j'ai du boulot. Je suis fondateur d'une école. Il faut que j'aille travailler, m'occuper des enfants des autres. C'est cela. Donc déjà, ça c'est important parce que c'est l'éducation. C'est l'éducation. Ouais. Merci beaucoup. Vous savez tellement esquiver les buts, pardon, esquiver les questions. Alors, nous allons partir tout de suite pour le jeu des cases. J'ai l'impression que vous redoutez cette rubrique. Tous les invités. Oui, je me suis fait plein de choses dans la tête. Ah, vous faites bien. Mais moi, ça me rassure parce que vous suivez ces midis, vous connaissez, vous savez comment ça fonctionne. C'est déjà bon. Alors, nous partons pour la première case. Vous choisissez dans l'ordre qui vous convient. D'accord. Nous avons trois cases au total. Je vais commencer par trois. Par trois. C'est un chiffre que vous aimez beaucoup. Oui, ça aussi, oui. D'accord. Il n'y a pas de piège derrière. Ouais. Le chiffre 3. La case numéro 3, voilà. Ouais, je ne me suis pas trompé. Hein. Ouais, exceptionnel. C'est voilà, la valeur d'un être humain qui... Tu ne le vois pas par l'argent, tu le vois par la valeur humaine. Voilà, un monsieur qui m'a adopté. Et un jour, je me rappelle, il me dit, Ibrahima, viens me voir, je vais te donner tout ce que tu veux. Sérieux? Dit, oui, je vous jure. Et ça a été quoi votre réaction? Vous n'avez pas eu peur? Non, je suis serein par rapport à l'argent. Ok. Je lui ai dit... Moi, je ne veux rien, il faut aider mon ami qui m'a aidé pendant un an quand j'étais dans la galère ici à Montpellier. C'était qui votre ami? Ousmane Camara, un D'accord. Sénégalais qui vivait avant moi à Montpellier, qui m'a beaucoup aidé au moment où j'étais seul. Et il est étonné, lui, Nicolas, il est étonné. Je te demande, qu'est-ce que tu veux, toi, tu me parles de ton ami? Il dit oui, parce que la vie, c'est la reconnaissance envers les autres, oh là là. Envers Dieu. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour lui? Je veux que vous donniez un contrat à durée indéterminée.
Et après ça, il n'a pas fait de suite. Mon ami venait me dire, il faut aller le voir. Il dit non, je suis serein, c'est il viendra vers moi. Ouais. Et il a fait. Donc, je ne peux pas oublier ce monsieur-là. Ça, c'est la voilà. grandeur de votre âme, la grandeur Non, je pense que lui, Nicolin, oui, aussi, ouais. qui a la lucidité de constater que je n'ai pas mis l'argent au devant. C'est cela. La reconnaissance envers les hommes, envers Dieu. Oui. Voilà. Ouais. Et donc. ça s'applaudit, franchement. Je suis touchée parce que la plupart des êtres humains sont portés vers l'argent. Quelqu'un te dit, viens, je te donne tout ce que tu veux. Tout de suite, on va penser aux biens matériels. Mais vous, votre reconnaissance vous amène à positionner déjà de façon extraordinaire oui. votre ami qui vous a aidé. Franchement, chapeau. Là, j'ai de plus en plus confiance en vous. Nous allons partir, franchement, c'est la vérité. Nous allons partir pour votre deuxième choix. D'accord, le 2, on continue. Le chiffre 2, ouais, en descendant, oui. La case numéro 2, après Monsieur Louis Nicolas. Ah oui. Ah, ouais, ça c'est une image forte. Ouais. Deux hommes forts ouais. de Marseille. Ouais. Enfin, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ouais, je me rappelle de ce match-là. Et moi, j'étais remplaçant et Didier avait commencé le match. C'était à Guingamp, d'ailleurs, son club avec où il a brillé. Et je suis rentré, il y a eu une première action que je n'ai pas eu la chance de marquer. Je voulais dire ici que tous ceux qui se créent des occasions sont des grands attaquants. Même s'ils ratent, mais qui se créent, c'est des grands attaquants. Et Didier, il vient, il vient moi, il dit, Ibrahim, reste devant, je vais chercher le ballon. Et dès qu'il allait chercher le ballon, dès que j'ai vu qu'il a récupéré le ballon, je me suis décalé, il l'a mis dans la course, et puis j'ai marqué. Il était le plus heureux. Et il me dit que jusqu'à présent, il a cette image chez lui à la maison, et ça m'a marqué. On s'est retrouvés chez mon grand frère. Oui, allez-y. Est-ce que vous avez le sentiment que votre passage à Marseille a préparé, a pavé le chemin à celui de Didier Drogba? Oui, avant moi aussi, il y a eu d'autres personnes comme Basile Boli, j'ai dit aussi à Béli Pelé. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Et Didier aussi, il aime Marseille. Voilà. Oui. Il aime Marseille. Ce qui nous réconforte dans cette histoire, alors, c'est les traces que vous avez laissées à Marseille. Oui, très rapidement. Je vais encore poser une question. Oui. Alors, Didier Drogba s'est connu, se prépare à postuler pour être président de la FIFA. Vous avez une très grande amitié tous les deux. Est-ce que vous le soutenez dans cette démarche? Est-ce que vous allez peut-être être associé au cas où... Je ne l'ai pas encore eu, hein. Il ne m'a pas encore appelé. D'accord. Mais nous, on sait déjà. Comment il ne vous a pas encore appelé? Vous savez, avant de venir ici, c'est sincère tout ce que j'ai dit. Okay. D'accord. C'est pas... Voilà. Voilà. Monsieur, donc, il est bien. Il est bien. On va aller pour la toute dernière case. Merci. Numéro 1. La case numéro 1, c'est oui. parti. Ah oui, ça c'est beau. Ouais, c'est, j'ai l'impression que c'est le moment que vous attendiez. Ah oui, hein. Ça c'est beau. Ouais. On a donc l'image d'une école. On dit je suis casanier, mais je pense que je suis casanier là. Chaque fois que je viens, parce que je suis entre Paris et Abidjan. Donc quand je viens, je peux faire 2 mois, je suis à l'école. D'accord. Je n'ai pas autre programme. Vous voyez, je ne vais pas m'ennuyer. Donc, viens voir si tout se passe bien. Voilà, c'est une école qui a 10 ans aujourd'hui. On est pour les 10 ans. Et on forme les enfants, mais la priorité, c'est l'école. Tous ceux qui ne travaillent pas bien en classe, ils sont privés de sport. De telle sorte qu'aujourd'hui, je le dis parce que mon père s'est investi dans l'éducation plus que le foot. OK. Voilà. Et donc, aujourd'hui, pour moi, c'est Dieu m'a permis de réaliser mon rêve pour faire plaisir à mon père. Vous avez un sentiment d'accomplissement? Oui, parce avec que cette école, avec mon père était le seul qu'on n'a pas mis à l'école. D'accord. Dans sa famille. Et c'est le seul qui est devenu fonctionnaire sans aller à l'école, grâce au football. Et il prenait en cachette les enfants de ses frères pour aller les mettre dans des villages pour ne pas qu'on le tape. Et il avait déjà tout compris. Et il avait la diplomatie d'accueillir toutes sortes de personnes qui venaient de partout, de Gagnoua et tout. C'est lui qui les installait. Il avait appris la diplomatie sans aller à l'école. Même s'il a fait l'école coranique, pour moi, c'est une inspiration pour moi. C'est cela. Voilà. Et donc, mon père m'inspire tous les jours. Bravo, bravo. Voilà. Je ne veux pas faire de comparaison, mais déjà, pour cet édifice, Il ne m'a jamais félicité pour le foot, mais au fait, il me motivait comme ça. On les connaît souvent, les parents. Ouais, bah, voilà. Il y a certains qui sont avares en compliments, mais ils sont fiers au fond. Alors, Alissa Zena, vous avez commencé à parler de votre père. Vous nous donnez donc le droit d'entrer dans votre vie privée. C'est affaire. Alissa Zena, à l'attaque. J'ai un peu peur. Oui. Ils ont coupé courant. Je dis au JB, tu as déjà acheté le compteur? C'est demain, je vais aller à la CIE. C'est quelle affaire de demain? Tu
tout ton potent. Recharge par mouvement, tu vas voir. Avec ça là, c'est plus que rapide. Vas-y, tu vas voir. Tapez étoile 155, étoile 4 dièse pour recharger à tout moment votre compteur prépayé CIE et régler même vos factures d'eau ou d'électricité. Avec Move Money, profitez! Zena Alissar Khalil, CFRH People, de l'invité. Alors, avant de commencer, on va, si la régie est d'accord, voir les photos de Monsieur Brahima. Par rapport à son style, c'est pas quelqu'un qui se prend la tête. Merci. Il est toujours assez décontracté, petite chemise, petit t-shirt. Lui, il cherche son nain seulement. Lui, il est partout, il a l'argent. Lui, genre, il est là-bas. Genre, il a pas le... genre bon petit joueur, quoi. Non, non, il respecte vraiment. Il est toujours bien habillé, un petit jeans, vraiment à l'aise avec son temps. Alors, là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'affirage. Alors, on m'a dit que vous étiez très timide. Oui, c'est pas faux. Très timide, oui. Issu d'une famille nombreuse, comme Caroline nous l'a signifié. Il a su se soigner, apparemment. Oui. Parce que moi, je ne vois pas un homme timide sur non, ce plateau. Non, je suis très timide. Hein. Ah, d'accord. Ben, moi aussi. Nous tous d'ailleurs sur ce plateau. Alors, on dit sur le terrain, c'est quelqu'un d'assez combattant, courageux. On ne peut pas l'attraper sur le terrain. Donc, le Brahima, là, ça, c'est pour sur le terrain. Mais dans la vraie vie, c'est le Bakayoko. Là, il est là, il cherche son argent pour... de peur de me répéter. Alors, quand il jouait au foot avec ses petits frères, et ses frères, il pleurait. Quand l'équipe de ses frères menait, il pleurait jusqu'à ce qu'il égalise, au fait. C'est pas faux. Non, mais... Il n'aime pas les défaites. Non, c'est quelqu'un qui veut toujours gagner. Non, mon petit Jura, lui veut toujours... On dit, on gagne. Yeah. C'est là-bas, lui, il est. Les autres vont au terrain. Maintenant, comme on dit dans la vie, chacun a son jour. Moi, je ne peux pas venir ici pour faire l'affairage de M. Brahima. Et puis, je ne veux pas venir m'arrêter. Il va travailler sur moi. Pourquoi? C'est trop facile. Parce que... Non. On m'a dit non, lui, il n'est pas dans le coupé décalé. Mais non, je refuse. Non, je refuse. C'est un joueur, c'est un joueur. Mais non, joueur, c'est un joueur. Mais son nouveau, son ancien, c'est un joueur. Il en est là. Ça doit sortir, c'est ça. Il en est là. Un kilo. Bon, vous pouvez y aller m'arrêter là-bas. Bon. Non, il a fait un virement. Là, je ne suis pas témoin. D'accord. Marie, on va travailler sur toi. Quelqu'un dit les pieux musulmans à la maison Kazani, il va lever son argent pour compter pour te donner. Là, je ne suis pas témoin. Mala, la niche, elle est bien. J'attends le vivant, Caroline. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup. Merci, Alissa Arzena. On applaudit très fort. Et puis, nous profitons pour saluer notre public, l'Association des femmes compétentes et autonomes de Gonzagueville. Merci de votre présence sur ce plateau. Nous saluons également les jeunes filles d'Abobo, Annie Sankwa. Les jeunes filles d'Abobo, Annie Sankwa, vous êtes là. Et puis le fan club, c'est midi. C'est comment? Alors, Bakayoko, on poursuit cette émission. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. D'accord. On nous a dit que vous étiez très famille. Je ne sais pas si c'est une information que vous pourriez confirmer. Oui, tout le monde est famille. Mais je vais dire, on accentue plus sur la foi. Est-ce qu'avec vos activités, vous avez le temps vraiment... C'est pas évident. Surtout que je suis engagé à la fédération aujourd'hui. Uh-huh. Je vous informe qu'on est qualifié pour les Jeux Olympiques. Je fais partie des dirigeants. Et c'était un rêve d'être dirigeant parce qu'on a toujours été chuchoté. Voilà, on ne parle pas beaucoup des dirigeants, mais les dirigeants de club, il faut les féliciter. Ils se demandent comment ils vont terminer l'année en s'occupant des enfants des autres. Ce n'est pas évident. Il y a des femmes compétentes derrière qui vous regardent. Oui. Elles souhaiteraient que vous les saluiez juste comme ça. C'est le grand frère. Oui. On le connaît très bien, en tout cas. Merci d'être là. Non, il y a la place. Voilà. On le connaît très bien sur les antennes. Pas m'asseoir si le grand frère. Il est consultant sportif, oui. Directeur d'un centre de formation continue pour les travailleurs et spécialiste en communication et management qualité. Merci d'être là. Si je vous demandais de nous raconter une anecdote qui va plier tout le monde sur ce plateau, ce serait laquelle? Le micro, s'il vous plaît. L'anecdote. Rapprochez-vous. On l'a un peu énoncé là.
Ouais, il y a une très grande différence d'âge entre nous. Et quand moi, je revenais du lycée, je revenais au village, je trouvais tous mes jeunes frères, lui faisait partie des plus petits. Donc, je mettais les plus petits dans mon camp et je jouais contre les plus grands. D'accord. Naturellement, ils étaient plus forts que nous. Donc, chaque fois qu'on prenait un but, eh bien, Ibrahim, tant qu'on n'a pas égalisé le but, il est en larmes. Tant qu'on n'a pas égalisé, donc j'étais obligé de me démettre pour dribbler les autres pour aller marquer, parce que sinon, il m'en veut en fait d'être complice des grands. En fait, c'est son tempérament. Il est déterminé dans ce qu'il veut et il n'aime pas perdre. Et de façon objective, qu'est-ce que vous pensez en tant que consultant de son parcours? Oui, c'est un parcours qui est conforme à ce qu'il est. Très tôt, il est venu me voir et dit « Grand frère, moi, je vais jouer au foot dès que j'aurai fini la classe de 3e. » Donc, on a organisé dès ce moment-là comment il pourrait gérer sa carrière. Et il a fait les choses comme il le sentait, suivant ce qu'il voulait. Quand très tôt, après Montpellier, il a décidé de créer son école, on l'a accompagné. Donc, en fait, comme on le connaît, on le laisse faire ses choix et on l'accompagne. D'accord. Et on fait en sorte de l'aider à atteindre ses objectifs parce que c'est très fort dans sa tête. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop être stressé, c'est cela? Non, il est... Il est suffisamment responsable. Voilà, dans une logique d'être toujours très précis ce qu'il veut et d'être déterminé jusqu'au bout. D'accord. Et nous, en tant qu'aîné, on lui apporte cet accompagnement pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Oh. C'est vrai, c'est pas l'aîné à la... C'est le grand frère qui impose tout. Non, moi, j'ai toujours été à l'écoute de tous mes jeunes frères de façon à les orienter pour qu'ils réussissent ce qu'ils veulent faire. En plus de l'orienter, en plus de l'accompagner, il y a forcément des bénédictions. Nous avons décidé donc de faire venir des imams de Ouro-Dougou pour le bénir. Voilà. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Nous vous faisons venir donc, sur ce plateau des imams qui nous viennent du Ouro-Dougou. Merci. On a besoin de toutes les bénédictions. Merci de nous rejoindre donc sur le plateau de ces midi. Bonjour, Mme Ayou. Vous êtes très pieux. On a déplacé l'imam, le grand imam de Ouro-Dougou. Mais voilà, il est venu avec un autre imam qui vient directement de l'Arabie Saoudite. Ouais, lui-même, c'est un gars de Dubaï. Salam alaikum. Malgré le poids de son âge, vous voyez, il est venu vous prodiguer toutes les bénédictions. Achevé, l'émission est terminée. Le conseil que je vous demanderais de donner aujourd'hui à la jeune génération des joueurs, ce serait lequel, Ibrahima? D'abord, quand on commence sa carrière, il faut préparer la retraite. Ce n'est pas quand on finit la carrière. C'est en étant en activité qu'il faut la préparer. Et je profite de l'occasion pour vous dire merci à mon grand frère, parce qu'il fallait juste choisir rapidement au stade d'Abidjan. On n'a pas privilégié l'argent. On a choisi un club qui est le stade d'Abidjan, qui formait bien. Au lieu de l'argent au départ. D'accord. Ça nous a permis de gagner un peu plus après. D'accord. Voilà. Et je voulais dire merci à mon grand frère, qu'on est toujours à son écoute. Et puis, salut tous les gens de Séguéla. D'accord. Et le public qui se déplace massivement chaque fois pour venir assister à votre émission. Séguéla, ciao. On est encore là. OK, merci. Infiniment, merci beaucoup. Ça a été un moment très sympathique, un moment riche, on va dire, en partage d'émotions et d'informations. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci pour tout ce que vous avez apporté à la Côte d'Ivoire, pour l'image de la Côte d'Ivoire que vous avez fait rayonner dans tous ces pays. Merci infiniment. Merci encore à l'Association des femmes compétentes et autonomes de Gonzagueville. Merci aux jeunes filles d'Abobo. L'émission est terminée. Nous vous souhaitons un excellent week-end et à la semaine prochaine pour d'autres moments d'émotion. Bye bye.